Tchou, bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je profite un petit peu de ce petit parc à Taïwan pour inaugurer cette première série qui sera 10 jours avec, où je vous propose, alors il y a pas mal de produits que je vais pas dire que je vais garder, mais que je vais essayer d'essayer pendant au moins 10 jours pour vous faire un retour. Alors il y a des produits que je veux garder absolument, donc là c'est facile pour moi d'en parler avec la longueur, et puis d'autres produits que je vais essayer d'utiliser sur la longueur, notamment le gimbal, choses comme ça, voilà, peut-être pas tous les jours, mais d'essayer de l'utiliser pour vous donner au bout de 10 jours un ressenti, ce qui vous permettra peut-être éventuellement pendant les reviews de me poser des questions, et puis moi comme ça, ça permettra de m'orienter un peu pour ces 10 jours après. Premier produit dont je vais vous parler, en fait ce sont les écouteurs Baseus que je vous ai présenté dernièrement sur GLG Review. La particularité de ces écouteurs, c'est qu'ils se mettent directement, vous voyez, devant l'oreille, comme ça. Et on a un espèce de petit module, en fait, avec le haut-parleur dedans, qui va... Alors qu'il pleut, finalement, il s'est arrêté de pleuvoir. Alors, il pleut pour de vrai. J'essaie de me trouver un autre endroit. Ça met le haut-parleur directement vers l'oreille. Donc, ce qui permet d'avoir une oreille qui est... quelque part, il pleut pour de vrai. Je vais mettre sous l'arbre. Sous les cocotiers. Voilà. Bah, en même temps, normalement, la caméra est étanche. Voilà. Je vais mettre là. Ici, là, on est bien. Là. Voilà. Arrête, là, il ne peut plus. Parce qu'on est sous l'arbre. Voilà. Donc, ce qui permet, en fait, encore une fois, de mettre l'écouteur sur l'oreille. Donc, on n'a rien qui rentre dans l'oreille. Là où, des fois, c'est un peu dérangeant d'avoir quelque chose qui rentre dans l'oreille. Ça ne tient pas toujours. Là, on a le contour d'oreille. Ça tient plutôt bien. L'haut-parleur est orienté dans l'oreille. Si je devais faire un peu le résumé, je parlerais du prix, je crois que c'était pas excessivement cher et le produit est quand même super quali. Deux, le son qui est très très bon, ça fait vraiment plaisir puisque le son est très quali, c'est comme si on avait une petite enceinte, donc on a de très bonnes basses, étonnamment, vous voyez comme c'est une petite enceinte qui est directement orientée vers ton oreille, donc là c'est bien. On a de bonnes basses, on a de bons médiums, bons aigus, on a une bonne qualité audio, ça fait extrêmement plaisir. Certains m'ont dit oui, mais est-ce qu'on entend le son, est-ce que les autres entendent le son à côté de vous? Si vous avez quelqu'un qui est proche de vous, par exemple quelqu'un qui est assis de vous, il entendra que vous écoutez quelque chose. C'est pas clair et précis, parce que quand on l'écoute, on se met à côté, on entend qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas, on peut pas exactement savoir c'est quoi la musique, ou si vous êtes en train d'écouter pendant un podcast, il sera pas capable de savoir ce qui est en train de se dire. Après, un des points négatifs qu'on pourrait dire, c'est que, évidemment, l'oreille n'est pas... Je vais mettre directement sous là. Il pleut pour de vrai. L'oreille étant ouverte, on entend ce qui se passe autour. Alors, ce qui fait que dans l'avion, quand on est dans l'avion ou qu'il y a beaucoup de brouhaha, il pleut sa mère. Et en fait, je ne suis pas à l'abri du tout. Donc, je vais mettre sous les toilettes. Voilà, l'emplacement l'emplacement du marabout, par excellence. Je vais mettre là parce que non, là il pleut pour demain. Et en fait l'arbre ne filtre pas. Je vais mettre ici. C'est pris le bon moment. Ah ouais, mais c'est les aléas de la vraie vie. Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas ça. Ça fait chier d'aller sous les toilettes quand même. À moins que je me mette là. Si je me mets là. Ah ouais, là on est bien. Là on est sur le côté des toilettes, on est pas mal. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, comme il est juste devant l'oreille, en fait ça ne ferme pas l'oreille. Donc il n'y a pas de réduction de bruit, bien évidemment. Et quand il y a beaucoup de brouhaha autour, ou de. Par exemple dans l'avion, on a facilement. On entend bien ce qui se passe autour. Et ça a tendance à atténuer un peu la musique. Voilà. Alors qu'on a tendance à mettre un peu plus fort pour compenser un peu le brouhaha autour. Donc c'est là où. Pour faire du sport, pour marcher, pour travailler, pour avoir par exemple les écouteurs tout le temps sur l'oreille comme ça. Moi des fois je les ai juste comme ça, où j'écoute même pas de musique. Et du coup quand je reçois une notification, j'entends tout d'une. Voilà, j'entends la notification qui arrive ici. Ça peut être bien, ça permet de passer des appels vocaux que j'ai appelé par exemple mon gamin, juste comme ça, avec WhatsApp. Ça marche plutôt bien et on a une bonne qualité audio pour nous et puis pour lui aussi, voilà. Donc c'est vraiment un produit qui est très très bien, mais il faut l'acheter pour ce qu'il est. C'est-à-dire un écouteur ouvert. Fait pour le sport, qui est quand même un très bon son, mais comme il est ouvert, il n'aura pas les avantages d'un écouteur qui va être complètement lui fermé, avec réduction de bruit, qui va pouvoir vous mettre un petit peu dans votre bulle. Voilà. Donc ce sera tout pour cette première vidéo de ce petit écouteur, et puis je vous en ferai peut-être une autre tout à l'heure, si je vais profiter de cette journée. J'ai trois produits que j'ai pris avec moi, que j'utilise tout le temps, et je me suis dit, ça pouvait faire l'occasion, comme ça, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, vous les mettez dans les commentaires, un like en dessous ces vidéos si vous aimez ça, un dislike si vous n'avez pas du tout aimé cette vidéo parce qu'il pleut. Vous abonnez, c'est pas encore fait. Et puis je rappelle, sur GLG Vidéo, on va essayer d'enquiller la cadence de une vidéo tous les jours. Normalement, 7 jours sur 7. C'est pour ça que je prends un peu d'avance. Bonne journée à tous. Bye bye.